Bonjour à vous. Alors, on va voir aujourd'hui du pistage. Comment on peut se promener dans les chemins, laisser des traces pour que d'autres nous retrouvent ou pour faire des jeux de piste avec les enfants. On a l'habitude d'empiler des pierres, mais des fois, il n'y a pas de pierres. Donc, je vais vous montrer avec de l'herbe, tout simplement. Vous trouvez le long du chemin plutôt sur votre droite. Hein, on met plutôt les marquages à sa droite. Et puis, eh bien, on fait un bouquet comme ça. Et puis, on va faire un nœud. On va faire un nœud. Avec tout le bouquet comme ça, on va faire ressortir la partie du haut comme ça. Voilà. Et on envoie dans la direction de notre chemin la petite touffe comme ça. Donc là, ça veut dire qu'il faut aller par là. Et on peut en mettre plusieurs. Si on a des grandes herbes comme ça, on fait une boule comme ça. Dans la nature, on trouve rarement ça. Et ça veut dire que c'est dans ce sens-là. Il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, mais normalement, ça ne bouge pas trop. Et une autre technique, si on n'a pas de grandes herbes, on est dans le bois, on va prendre des bouts de bois. On va prendre un bout de bois fourchu comme ça, et puis un autre droit. On va trouver ça assez facilement. Et on va planter dans le sol sa fourche, comme ceci. Voilà. Et puis on va rajouter son bout de bois posé au sol dans la fourche, comme ceci. Et là, ça veut tout simplement dire qu'on est parti par là-bas. Donc voilà, différents chemins qui peuvent, marquages qui peuvent nous aider. Et puis après, s'il y a un petit trésor à trouver, on peut très bien faire un cercle de bouts de bois avec comme une aiguille de montre, en montrant une direction, en mettant 6 petits bouts de bois dans le cercle, ce qui veut dire à 6 pas dans cette direction, il y a quelque chose. Ou alors, on fait un cercle de pierres, des petites pierres pour dire le nombre de pas, et une petite ligne qui donne la direction du trésor à trouver, par exemple. Donc voilà, tout simplement, sans rubalise, sans matériel extérieur, avec des petites herbes comme ça, ou avec un bout de bois comme ça, vous pouvez... emmener des groupes dans une chasse au trésor. Et bien maintenant, à vous de jouer.